Oui, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Eh bien aujourd'hui, je vous propose un bœuf au poivron. Eh bien pour cette recette, pour 4 personnes, là j'ai 600 g de bœuf coupé en morceaux. Il me faudra une petite boîte de concentré de tomates. Là j'ai 400 g de poivron tricolore, c'est du congelé. Là j'ai 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une petite boîte de tomates pelées, du sel et du poivre. Là, j'ai 100 g d'oignons congelés. Si vous avez du frais, vous mettez du frais. Et puis, j'ai un bouquet garni. Et puis, enfin, pour le bouillon, 150 ml d'eau, 50 ml de vin rouge et un cube de bœuf émietté. Eh bien, c'est parti pour la recette. Allez, on va commencer par se mettre en mode manuel et en mode doré. Et là, on va mettre l'huile d'olive dans la cuve et on va attendre que l'huile soit chaude. Et je vais pouvoir mettre mes oignons, l'huile est chaude. Allez, je vais ajouter ma viande. Allez, je suis à 4 minutes de fonction dorée, je vais ajouter les poivrons. Je vais ajouter la boîte de tomates pelées. Je vais ajouter le bouquet garni. Là, je vais poivrer. Pour le sel, je rectifierai au moment de déguster. Je vais verser mon bouillon composé de 150 ml d'eau, 50 ml de vin rouge et d'un cube de bouillon de bœuf émietté. Et puis là, on va rajouter, c'était pas prévu, et bien je vais rajouter du paprika. Je saupoudre de paprika, je mélange et on va pouvoir programmer notre cuisson. Allez, on est à 6 minutes de fonction dorée. On va arrêter la fonction dorée. On va passer en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Et on va programmer 35 minutes. Je fais OK avec un départ immédiat. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette. Allez, la cuisson est terminée. On va ouvrir le coupe-pied-haut. Allez, je vais enlever le bouquet garni. Je vais rajouter, eh bien, ma boîte de concentré de tomates. On mélange. Et puis moi je vais servir ça avec des pâtes et pourquoi pas du riz. Chacun fera bien comme il veut. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.